Nous nous retrouvons pour ce temps d'adoration du mercredi 30 juin. Seigneur, tu veux nous accompagner durant ces périodes de vacances d'été, dernière journée du mois de juin. Dans le psaume d'aujourd'hui, on nous dit « Un pauvre crie, le Seigneur entend ». Quand normalement une personne crie, c'est qu'elle porte une souffrance, elle veut se faire entendre. Alors nous, on est chacun chez soi en train de faire cette adoration. Peut-être qu'on a besoin de crier vers Dieu, de dire notre douleur, de dire quelque chose qui nous habite. Et le psaume nous dit « Le Seigneur nous entend ». Merci Seigneur de m'entendre, de me comprendre, de me guider. Et on va écouter ce chant qui nous parle de la bénédiction de Dieu. Merci Seigneur de venir nous bénir à travers cette adoration. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Déclarons ensemble. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Oh, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Son Église le chante d'une seule voix. Amen. Ensemble. Dieu te bénit. Dieu te bénit, crois-le. Et te garde, il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. Sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. Sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur
reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne. Merci Seigneur de continuer ta bénédiction à travers cette adoration.
Encore une fois, Seigneur, on te demande de faire déposer sur nous ta bénédiction en ce mercredi 30 juin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Passez une très belle journée.